Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, nous allons parler voiture électrique. Mais pas de la Zoé, ou plutôt pas de cette Zoé, non, non, quelque chose de bien plus excitant. D'ailleurs, je vais tout de suite me mettre en tenue. Nickel, allez, venez avec moi, on va aller voir ça tout de suite. Vous avez derrière moi la Zoé e-sport concept. C'est un chocard que Renault dévoilera à l'occasion du Salon de Genève. S'il reprend la silhouette générale de la Zoé, ce concept n'a rien à voir avec le modèle de série. Prenez la carrosserie par exemple. Elle est entièrement en carbone et ses couleurs bleu et jaune ne sont pas sans rappeler la Renault e-Dams qui court en Formule 1. Un gros travail a été fait aussi sur l'aérodynamique avec ses grandes entrées d'air à l'avant et toutes ses écopes latérales. Et encore, vous n'avez pas tout vu, venez voir à l'arrière. À l'arrière, on retrouve ce gros travail sur l'aérodynamique avec le becquet, mais également ce gros diffuseur qui intègre d'ailleurs un troisième feu comme en compétition. Et ces voies très très larges, beaucoup plus larges que la Zoé classique. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Regardez l'intérieur. La Zoé s'est métamorphosée en voiture de course avec des sièges baquets Recaro, des harnais de sécurité qui ont remplacé les ceintures, des arceaux de sécurité, vraiment comme dans une voiture de course, mais aussi un volant rectangulaire qui n'est pas sans rappeler celui de la Formule 1. On a également un affichage qui renseigne toutes les indications sur la voiture, et cela me fait penser à une chose, qu'est-ce qui pourrait bien se cacher sous le capot de cette Zoé? La Zoé que vous avez vue tout à l'heure a un moteur électrique d'à peu près 90 chevaux, ce qui est suffisant pour rouler à 130 km/h ou faire de la ville. Ce concept n'a pas un moteur, mais deux moteurs, un installé sur chaque essieu, c'est donc une 4 roues motrices. Et la puissance cumulée atteint 460 chevaux. Et il envoie ce concept, il atteint le 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes 2. Et il lui faut moins de 10 secondes pour atteindre 210 km/h. C'est même pas le temps qu'il faut à l'autre Zoé pour atteindre les 100 km/h. Alors vous la trouvez comment cette Zoé e-sport concept? Pas mal hein? Mais n'espérez pas remplacer votre Zoé par ce modèle car vous imaginez bien qu'il restera à l'état de concept car. Bon, bah tant pis pour nous, on va repartir au volant de notre Zoé. Allez, à bientôt sur l'Argus.fr. On a des sièges baquet Recaro avec des... Oh putain, mais ça s'appelle comment déjà? Des harnais, putain, je veux dire des arceaux, moi. Avec des arceaux de sécurité. Ouais, tiens, à la limite, tu pourrais peut-être... comme ça.